Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous avez déjà vu avant, quand on était encore dans le monde, dans les matchs de boxe, avant que tu n'affrontes ton adversaire, il faut déjà commencer à préparer ton adversaire. Prépare ton adversaire psychologiquement pour lui dire qu'il a échoué dans ta vie. Pour lui dire qu'il a perdu dans ta vie. Pour lui dire, parce que c'est cette parole-là que les esprits de mort écoutent. Tu vas commencer à proclamer et à dire à ces esprits-là que toi tu es joué. Ce matin le Seigneur t'a mis à nu. Ce matin le Seigneur t'a livré en spectacle. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Commence à parler. Proclame maintenant. Proclame maintenant. Proclame maintenant. Proclame maintenant. Proclame maintenant. Dis à l'esprit de mort qu'il n'a plus de pouvoir. Où il était caché, le Seigneur a dévoilé cela. Le Seigneur a dévoilé sa cachette. Le Seigneur a dévoilé son plan. Le Seigneur a dévoilé ses œuvres. Commence à parler à Jésus. Jésus est le Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'appeler d'abord à te mettre en genoux parce que tu dois te repentir. Avant que le Seigneur te libère, certainement tu as fait des choses. Et notre Dieu est le Dieu de la repentance. Il faut d'abord te repentir de ce que tes parents ont fait. Il faut d'abord te repentir de ce que toi-même tu as fait. Il faut d'abord te repentir de toutes tes mauvaises œuvres, de toutes tes mauvaises actions. Ce que toi-même tu as pu faire pour appeler l'esprit de mort dans ta vie. Parce que si tu ne te repens pas, le Seigneur ne peut pas te libérer. Le monde spirituel est un monde légaliste. Il regarde d'abord, parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 28, que si tu te repens et tu te laisses ton péché, il te fait grâce. Il te fait grâce, il te libère de toutes ces entités sataniques. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu, je ne t'écoute pas, bien-aimé. Je veux écouter la voix de quelqu'un qui va être libéré. Je veux écouter la voix de quelqu'un qui est fatigué et chargé. Je veux écouter la voix de quelqu'un qui a marre de l'esprit de mort. Je veux écouter la voix de quelqu'un qui veut sortir de la prison. De la prison que le diable a mis. La prison de sécheresse. La prison de mort spirituelle. De mort financière. Je veux écouter quelqu'un qui est déterminé ce matin. Tu vas dire après moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. De mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Afin que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais je veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. Purifie-moi avec ton sang. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la détresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront de tous tes regards, de tes péchés. Efface mes iniquités. Oh Dieu, garde-moi un cœur pur.
face. Ne me retire pas. Ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai ta foi à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche subira ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir. Les sacrifices qui se sont agréables, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et compris. Réponds ta grâce et tes bienfaits sous moi. Bâtis les murs de ma maison. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel, des taureaux sur ton autel. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, dans ton jugement, avec moi, ton serviteur. Aide-moi, ton serviteur, qu'aucun vivant n'est juste devant toi. Qu'aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit. Il poursuit mon âme. Il poursuit mon âme. L'esprit de mort me poursuit. Il poursuit mon âme. Il poursuit mon âme. Il poursuit ma vie de prière. Il poursuit ma vie de sanctification. Il poursuit mes finances. Il poursuit ma maison. Seigneur, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Il fout la terre. Il fout la terre. Ma vie. Ma vie. Il me fait habiter. Il me fait habiter. Dans les ténèbres. Il me fait habiter. Dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts. Depuis longtemps. Mon esprit est battu. Au dedans de moi. Mon cœur est troublé. Dans mon sein. Dans mon sein. Je me souviens. Des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains. Je tends mes mains. Tais-toi. Mon âme soupire après toi. Comme une tête desséchée. À toi. De mes ossées. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. C'est moi, dès le matin, attends ta bonté. Quand je me confie à toi, quand je me confie à toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Quand je lève à toi, mon âme, délivre-moi de l'esprit de mort. Éternel, éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit, que le Saint-Esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Retire mon âme de l'esprit de mort. Retire mon âme de la servitude. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr mes oppresseurs. Les oppresseurs de mon âme. Les oppresseurs de mon âme. Les
servante. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et tu vas répéter après moi. Mets les mains en signe de recevoir. Mets les mains en signe de recevoir. Tu vas dire après moi. Seigneur Jésus. Bien-aimé, vous parlez avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai péché. Que j'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Par mes actes. Par mes actes. Par les actes de mes parents. Par les actes de mes parents. Par moi-même ma désobéissance. Par moi-même ma désobéissance. Par moi-même ma rébellion. Par moi-même ma rébellion. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que je me suis prosterné. Devant les dieux étrangers. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que je suis allé consulter. Les magiciens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que le mensonge. Le mensonge, le vol, l'impudicité, les mauvaises pensées, sont encore moi. Seigneur Jésus, je t'en supplie, qui déclare, dans ta parole, dans le livre, le proverbe, 28, que si je reconnais, j'avoue, et je te laisse, m'empêcher, tu me feras, miséricorde, et grâce, Seigneur Jésus, en ce matin, tous mes péchés, même ceux que j'ai oubliés. Je viens te demander pardon. Ce matin, je viens vers toi. Car c'est à toi que me vient le secours. Je crie à toi, 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 je crie à to
tu le laisses tout seul. Yes. Est-ce que tu peux? Ah, j'écoute les clics, clics, clics dans mes oreilles. Mais est-ce que tu peux vraiment? Il y a les chaînes qui sont en train de tomber. Si tu es charnel, tu vas recevoir charnel. Si tu es spirituel, tu vas recevoir spirituellement. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Parce que les gens sont en train de libérer, les chaînes sont en train de briser. Jésus-Christ. J'écoute le bruit des chaînes dans mon oreille. Les chaînes sont en train de briser. Tu es en train de libérer de la mort. Le Seigneur veut ta détermination. Le Seigneur veut ta détermination ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le livre de justice, nous voyons un homme qui s'appelle Gédéon. Bien aimé, Gédéon était un voyant héros selon le Seigneur Jésus. Mais avant que Gédéon le rende dans ses grâces, avant que Gédéon le rende dans sa bénédiction, il fallait qu'il renverse le tête de ses parents. Non, il devait renverser le tête de ses parents. Il devait faire tomber cet hôtel-là. C'est pourquoi ce matin, tu vas lever la voix et tu vas déclarer tout hôtel de mort, depuis ton enfance, depuis mon enfance, tout hôtel de mort, où mon nom avait été invoqué, où mon nom avait été invoqué, où il avait dit que je ne vais pas prospérer, où il avait dit que ma vie sera limitée, où il avait proclamé la parole de mort. Quelque chose de fort qui est en train de se passer. Cet esprit en mouvement. Alléluia. Au nom de Jésus.
bien-aimé, quand Gédéon a renversé, quand il a renversé l'autel de mort, sur l'autel de mort, il y avait un pieu sacré. Il y avait un pieu sacré. Il fallait qu'il enlève ce pieu sacré. Ce pieu sacré aujourd'hui, ce sont les fétiches. Les fétiches qu'on met souvent sur les autels impurs. Le fétiche là est là pour localiser ta vie. Il est là pour savoir où tu t'en vas. Il est là pour savoir quand tu vas te marier. Il est là pour savoir ce que le Seigneur va te donner pour pouvoir parler de cela au démon. Ce fétiche là est dessus. Il est sur les autels de mort. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, je détruis le fétiche qui est sur l'autel. Je détruis le fétiche qui est sur l'autel. Viens me voir. Détruis le fétiche. Détruis tout fétiche. Tout fétiche. Tu as l'autel de mort. Tout fétiche. Tu as sur l'autel de mort. Détruis le fétiche. Détruis le fétiche. Détruis le fétiche. Adorer leurs idoles, tu vas déclarer au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, quand je lève ma main, ma main d'autorité, Seigneur, Seigneur, ta parole déclare, Élie, Élie, étant de la même nature que moi, c'est pourquoi, je lève ma main, comme Élie, a levé sa main, et je déclare que le feu, depuis le troisième ciel, descend. L'esprit de moi est venu. Il a déjà atteint votre santé. Il y a des maladies dans ton corps. Tu ne comprends pas. Tu pars à l'hôpital, on ne voit pas cette maladie. Mais tu sais que dans ton corps, tu es touché. Tu ne vois pas, quand on fait les examens, il n'y a pas de solution. On dit non, mais tu n'as rien. Mais quand tu rentres à la maison, tu te sens mal. Souvent, c'est des maux de tête. Souvent, tu as mal au ventre. Tu sens comme si ton corps chauffe. Tu sens comme si ton sang est en train de bouillir en toi. C'est parce qu'ils t'ont porté le voile de la maladie. Ils ont mis sur toi un habit de maladie.
Ils ont mis sur toi un habillement noir, comme ce que je suis en train de voir. Quelque chose de noir qu'on t'a fait porter. C'est quelque chose de noir. Si tu te reconnais dedans, bien-aimé, tu vas prendre, vraiment, tu vas prier avec autorité et détermination. C'est pourquoi tu vas déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus Christ, Seigneur Jésus Christ, tout habit, tout vêtement, tout vêtement, tout vêtement, tout vêtement, tout vêtement, de mort, de mort, tu m'as été tenté, depuis le monde de ténèbres, ce vêtement noir, ce vêtement noir, ce vêtement sale, ce vêtement sale, qui a été mis, sur moi, pour emporter, dans ma vie, la maladie, la maladie, la maladie, je déclare, ce vêtement, Saisis un bout de papier à côté de toi. On va déchirer l'acte, l'alliance de mort qui pesait sur toi et sur ta famille. Ce matin, on va déchirer cette alliance. On va briser cette alliance. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. La mort n'aura plus de réclamation sur toi. Il va s'enfuir parce qu'il va sortir parce que ses alliances seront brisées. Au nom de son Jésus. Décret sera brisé. Au nom de ses Jésus. Actes seront brisés. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, si tu as ton mouchoir, tu lèves les mains. Tu lèves les mains avec ce mouchoir. Tu lèves les mains avec ce mouchoir. Parce que tu vas déclarer. Mais quand tu déclares, ne déclare pas ça de manière charnelle. Déclare de manière spirituelle, bien-aimé. Déclare de manière spirituelle parce que ce qui se passe ici est spirituel et non charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas crier afin que l'esprit de mort, où il est logé, il puisse écouter ta voix. Au nom parce que le Seigneur dit que ta voix est comme du feu.
Ta voix est comme du feu. Quand ça va, c'est comme des épées qui sont en train de partir le monde des ténèbres. Bien-aimé, ne te néglige pas, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ta prière a une très grande efficacité. Donc, c'est pourquoi tu vas crier et tu vas demander au Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole déclare, ta parole déclare, en Colossiens 2, en Colossiens 2, en verset 14, en 15, en 15, que tu effaces, que tu effaces l'acte, l'acte dans les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Tu les as détruits à la croix, à la croix. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrés en spectacle. Tu as triomphé à la croix. Tu as triomphé de la mort à la croix. Tu as triomphé de l'esprit de mort à la croix. Tu as triomphé de l'esprit de mort à la croix. Père, je déclare en ton nom, que voici le décret, voici l'acte, voici l'ordonnance, que l'esprit de mort, que le mari de lui, t'aimait contre moi, voici cet acte que j'ai retiré de l'acte tombeau, de l'acte enfant, ce matin, Seigneur Jésus, je déclare que je ne suis plus marié à la mort. Proclame ta liberté, proclame ta délivrance. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es libéré de tout lien de mort, de tout lien de sang, de tout lien des os, de tout lien d'esprit. Proclame. Ne jette pas les papiers par terre. Mets ça dans la corbeille. Proclame. Déchire et mets ça dans la corbeille. Proclame ta délivrance. Proclame que tu es brisé. Ne jette pas par terre. Mets ça dans la corbeille. Ils n'ont plus de lien contre toi. Ils n'ont plus d'alliance. Ils n'ont plus d'acte. Ils n'ont plus de date de lien. Ils ne tiennent plus rien contre toi. Au nom de Jésus. Les ordonnances sont détruites. Les actes sont brisés. Ce que tes parents avaient fait au nom de Jésus. Avant ta naissance, où ils t'avaient livré à l'esprit de mort, le Seigneur Jésus-Christ a détruit cela aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il a brisé cela aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il a déchiré l'acte dans les ordonnances condamnées. C'est pourquoi, maintenant, tu vas mettre les mains sur ton nombril. Parce que c'est une porte. Tu ne sais pas qui t'a lavé à ta naissance. Tu ne sais pas qui a parlé sur toi à ta naissance. Tu ne sais pas qui a pris ton cordon ombilical à ta naissance. C'est pourquoi tu vas déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à ma naissance, je ne sais pas, qui m'a lavé, je ne sais pas, qui a pris, mon cordon ombilical. Je ne sais pas, quelles paroles ont été proclamées sur ma vie. Mais je déclare, tout lien qui me lie avec un esprit, esprit de mort, tout lien qui me lie avec un esprit, esprit de famille, tout lien qui me lie avec un esprit, esprit de sang, tout lien qui me lie avec une sirène, des eaux. Je déclare, ce matin, le cordon est coupé, le cordon est coupé, le cordon
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Saint-Esprit La louange Hosanna Le vent de la restauration Le vent de la restauration Saint-Esprit Hosanna Souffle au nord, souffle au sud, souffle à l'est, souffle à l'ouest, souffle maintenant. Ton vent de restauration, 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 ton vent de restauration. Sois disposé, éternel, Il est sur le cul, 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 il
Je suis le Seigneur des armées, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis en ce lieu, je suis au milieu de vous, je suis là pour 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 vous, je suis avec vous, je suis au milieu de vous, je suis au milieu de vous, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort. Le Seigneur te dit que tu es la victoire ce matin. Le Seigneur te dit que tu es la victoire ce matin. Le Seigneur te dit que tu es la victoire ce matin. Le Seigneur te dit que tu es la victoire ce matin. Je vais t'inviter à te désaltérer. Et après, tu me prends ta place.
Et nous allons poursuivre cet enseignement. Dès que tu soulèves l'eau, déclare que tu bois le sang de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde. Celui qui se sent de